السلام عليكم مرة أخرى أيها المساعدات للتمريض وأيها المساعدين للتمريض بمدرسة الشبه التربي للتكوين الشبه التربي بالبيبان. ها نحن عندنا في درس للموديول نعيطوا له les soins ou soins en hématologie. Bien. Alors, في soins en hématologie, غادي اليوم نطرحوا لواحد المرض, donc une maladie communément appelée anémie. Donc, la définition de l'anémie, c'est-à-dire n'arfou de cette marque. Thumma roho, c'est-à-dire n'arfou l'esbab de cette anémie, les causes de cette anémie, Encore, roho choufou les différentes anémies. Donc, les différentes anémies, c'est-à-dire nous avons anémie, l'anémie carentielle, maintenant, l'anémie carentielle, c'est-à-dire la carence, une anémie carentielle. L'anémie hémolytique, donc la thalassémie, donc enfin les signes de cette anémie, encore beaucoup plus, nous avons les examens de laboratoire, jouent un rôle présentiel, un rôle important. Nous avons le traitement, donc, qui fait l'ajout de l'anémie sur le plan symptomatique, qui fait l'ajout de l'avhar ou qui fait l'ajout de l'avhar. Bien. Alors, روحو نعرفو دونك لا ديفينيسيون تاع لي زانيمي. لانيمي اون لا ديفيني سو لو بلان بيولوجيك. سي تادير سي لا ديمينيسيون دو لا ماس ديموغلوبين سيركيلونت. اي اون سي تري بيان كو ليموغلوبين سيت بروتيين كي في سيركيلي لو سون داكور افيك ان ابور دوكسيجين. اون براتيك سي لا ديمينيسيون دي تو ديموغلوبين ان ديسو دي فالير دو ريفيرونس. بوركوا؟ باسكو ليموغلوبين ا دي ريفيرونس, c'est-à-dire à l'hémogramme. Quand on fait un hémogramme, on a des références, c'est-à-dire des valeurs. Donc, on parle d'anémie si elle est inférieure à 140, enfin, chez le nouveau-né, 140 grammes par litre et 130 grammes chez l'homme et 120 grammes inférieurs à 120 grammes par litre chez la femme. Bien, là, on va passer aux causes, c'est-à-dire les hormones SBM. Donc, les causes, donc l'anémie n'est pas une maladie en soi, donc il faut reconnaître que l'anémie n'est pas une maladie en soi. Donc ça fait partie bien évidemment, mais plutôt un état attribuable à des troubles de santé. Le mekoun khalal saha, le mekoun khalal fdem, fdora damdouya. Donc on attribue l'anémie à ça. Donc celle-ci peut être due, n'arfou, gana sahar bayla, c'est un manque de fer. Donc c'est un manque de fer, en plus de vitamine B9 et de la vitamine B12. Bien sûr que ces vitamines sont indispensables à la fabrication de l'hémoglobine. Sans ça, il n'y a pas d'hémoglobine. Et des globules rouges, évidentes. En plus, elles sont appelées dans ce cas, c'est des anémies nutritionnelles. Pourquoi? Parce que dans l'apport, c'est-à-dire dans l'apport alimentaire, donc il reçoit des apports nutritionnels. Et l'anémie peut être due à une hémolyse, tout simplement, c'est-à-dire une destruction excessive des globules rouges. Quand on parle d'hémolyse, c'est une destruction excessive, c'est-à-dire donc l'anémie est due parfois aussi à un défaut de fabrication de l'hémoglobine, donc la protéine SSIA, le transport du sang oxygéné, quelquefois qu'il y a un défaut de fabrication. C'est le cas par exemple de la thalassémie, qui est une maladie, donc une maladie orpheline ou une maladie rare, la thalassémie. Ensuite, elle peut être bien évidemment quelquefois héréditaire, une maladie génétique. Donc, on va passer aussi, les signes de l'anémie. Bien évidemment, nous avons ce qu'on appelle une pâleur cutaneo-muqueuse. Nous avons la peau de la. Donc on parle de pâleur cutaneo-muqueuse
proportionnel au taux d'hémoglobine. Madame, le taux d'hémoglobine, mahsous inférieur à AAA, madame, la palette, elle, accroître. Et puis, nous avons ce qu'on appelle une asthénie, donc c'est une faiblesse généralisée, une asthénie. Nous avons, entre autres, une dyspnée, ah oui, une dyspnée qui, à l'évidence, une difficulté respiratoire. Aussi, nous avons des vertiges et, en plus, il y a ce qu'on appelle une présence de tachycardie. Alors, les examens de laboratoire, donc toute suspicion d'anémie impose la réalisation de ce qu'on appelle un hémogramme, c'est-à-dire une formule, une FNS, une formule de numération sanguine pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'on met les valeurs des globules rouges et on chauffe s'il existe bien évidemment un déficit en globules rouges pour dire ben là il s'agit d'une anémie. Bien, cet examen permet de compter les cellules du sang, donc la formule permet de compter du sang, et d'apprécier la taille des globules rouges. Pourquoi? Parce qu'on parle de VG1, qui est le volume globulaire moyen, et de mesurer le taux d'hémoglobine. Le traitement de l'anémie, donc là, on va parler d'un traitement, je dirais, un traitement symptomatique et un traitement causal. Dans le traitement symptomatique, donc ça dépend du taux d'hémoglobine dans le sang. Donc ça dépend du taux d'hémoglobine dans le sang, et des symptômes que présente le malade. Là, lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 8 grammes, d'accord, par 100 ml, l'anémie doit être traitée assez rapidement et une transfusion, bien évidente, une transfusion de sang peut être envisagée. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait parlé des valeurs de l'hémoglobine, c'est-à-dire inférieur bien évidemment, à 140 chez le nouveau-né, à 130. Chez les hommes est inférieur à 120 grammes par millilitre. Donc là, c'est inférieur à 8 grammes, d'accord? Donc à 8 grammes, 100 millilitres. Et l'évidence, c'est qu'il faut transfuser. Donc il faut transfuser, transfusion peut-être envisageable. Alors, le traitement de fond, quelquefois, le traitement de fond dépend de la symptomatologie, causale. Hein. Quand on donne un traitement de fond, c'est la symptomatologie causale. Donc, nous avons différentes anémies. Nous avons l'anémie ferritive, que tout le monde connaît, c'est-à-dire une surcompensation en fer, une carence en fer, et alimentation riche en fer, dans le traitement causal. Et bien évidemment, de vitamine C. Et puis, nous avons aussi l'anémie par carence de la vitamine B9. Donc, carence par la vitamine B9, ce qu'on appelle la supplémentation. Donc, supplémentation en fordune plus alimentation riche en vitamine B9. Et puis, nous avons l'anémie par hémolyse. Donc, hémolyse, c'est-à-dire éliminer et traiter la cause. Encore, l'anémie qui est connue de tout le monde, qu'on appelle l'anémie de Brenner. Donc, l'anémie de Brenner, c'est une carence en vitamine B12 et l'injection de vitamine B12 en intramusculaire. Voilà, je vous remercie.